Vous êtes sur Mosaïque. À Saralbe, où Erza a fait l'unanimité. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Un petit prodige sur scène. Les groupes se sont succédés toute la soirée à Saralbe. Mais il y a des talents qui attirent particulièrement l'attention. À Saralbe, c'était incontestablement Erza, un petit bout de chou de 8 ans à peine, mais dont on aura encore sans doute l'occasion d'entendre parler, regarder et surtout écouter. Elle n'a que 8 ans, mais c'est déjà une star. Erza Mukoli s'est produite sur la scène installée sur le parvis de la mairie de Saralbe. Ben voilà, vous y êtes avec le soleil, sans doute comme partout, mais une soirée exceptionnelle avec une jeune prodige qui va sans doute paraître dans les grands journaux et dans les émissions télévision bientôt. Voilà, déjà sur M6. Alors ce soir, ici sur le parvis de la mairie, c'est une fête organisée par la mairie, mais en périphérie, il y a un certain nombre de cafetiers qui organisent leur propre fête de la musique. Plusieurs groupes de différents styles étaient présents, mais Erza a su marquer les esprits. Cette jeune artiste chante depuis l'âge de 3 ans et rêve de faire carrière dans la chanson. Bien qu'elle prenne des cours de piano, elle n'a eu besoin que de chanter lors du concert, car elle était accompagnée du groupe des musiques actuelles de l'école de musique de Saralbe. Talent l'a même amenée jusque sur M6, où elle participe à l'émission « La France a un incroyable talent ». Pour la soirée, Erza avait prévu un répertoire de chansons en français, mais également en anglais, allant de Papa Outé de Stromae jusqu'à Royals de Lorde, en passant par Skyfall d'Adèle. Et même si elle est encore jeune, Erza se débrouille comme une pro et a déjà ses fans et ses groupies. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.